Oui, bonjour. Voilà, avant de vous passer Freddy qui va nous parler de l'Europe de Belgique, j'aimerais vous demander si vous souhaitez participer à Parole d'internaute, eh bien, contactez-moi sur mon site web philippebuffon.org. Voilà, maintenant, à toi Freddy. Ah, Bonjour excusez. Freddy, comment ça va? Bonjour Philippe, j'espère que Alors, tout vous va êtes en bien. Belgique, c'est ça? Voilà, merci de m'avoir invité. Voilà, je dis, voilà, il paraît que beaucoup de Belges regardent ton émission, donc j'ai dit bonjour aux Belges, hein, aux Belges francophones et aux Flamands s'ils comprennent mon français. Parce que je suis un Wallon, moi, hein, je parle français, un français spotique des Wallons, un français, mais patiné de Wallon, patiné d'expression locale, hein. Je suis un homme du terroir wallon, quoi. Bref, et débrouillez-vous, les gars, on a qu'à d'apprendre. Bon alors, C'est- Freddy, nous sommes le 6 juin Ah ouais. 2024. Est-ce Donc que c'est une aujourd'hui, grande date? le débarquement de Normandie. Première chose, euh, on n'invite pas ceux qui ont réellement gagné la guerre, c'est-à-dire l'URSS, les représentants de l'URSS. C'est eux qui ont eu 27 millions de morts, hein. C'est eux qui ont crabouillé l'Allemagne nazie. Les Alliés sont venus après pour ramasser les morceaux, quoi, hein. En gros, hein. Bon, il y a eu des GI qui ont été tués, je ne dis pas le contraire, tout ça. Mais le gros des efforts a été fait à l'Est. Voilà. Pour mémoire, lors du débarquement, les Alliés ont été coincés sur les plages de Normandie. Et Roboulon, j'appelle toujours ainsi le Churchill, Roboulon, Churchill, il a écrit, maintenant on dirait un mail, mais je sais pas comment dire, il a écrit à Staline lui demandant de faire quelque chose parce qu'ils allaient se faire rejeter à la mer. Et Oui, Staline a répondu positivement, il a ouvert un front à l'est, un front de 1000 km à l'est, ce qui a obligé Hitler à ramener ses meilleures Panzerdivisions là où il y a vraiment la grosse guerre, ce qui a permis aux Alliés de pouvoir entrer en France. ouais. Déjà, rien que pour ça, déjà, il faudrait inviter les Russes. Alors, et rebelote avec l'offensive von Rundstedt en Belgique. Là aussi, à un moment donné, les Américains, ils ont eu chaud, hein. Et de nouveau, Winston Churchill écrit à Staline en disant, écoute, on est dans le pétrin, si tu m'as fait quelque chose. Et l'autre a dit, dada, camarade, on va faire ça. Il a fait quelque chose jusque Berlin. Il a parti. Et c'est parti. Il a réglé compte. Et alors, ça, c'est dans les mémoires de Churchill que j'ai eu chez moi, trois tomes, écrits par lui-même, juste après la guerre. Et point important, avant le macartisme. Oui. Parce que le macartisme, ils ont dépioté la vérité comme on dépiote la pain, on retourne la peau. Ils ont fait ça. À partir de là, l'histoire a été chamboulée. Voilà. Bref, je disais, le 6 juin 44, maintenant, donc je disais, le 6 juin 44, c'est pas vraiment la libération de l'Europe qu'il y a eu, hein. C'est plutôt la conquête de l'Europe par les USA, hein. C'est pas vraiment une libération. À la limite, il n'avait qu'à attendre, les Russes allaient aller jusqu'en Espagne. Donc, hein, je résume, hein. Enfin, quand même, Freddy, on peut dire quand même libération parce que, ben, mon Dieu, les Allemands sont partis. Enfin, Oui, d'accord, c'est vrai. Mais je parle des conséquences 80 ans plus tard, et c'est maintenant. ah, 80 ans plus tard, quand on regarde ce qui se passe, est-ce qu'on n'est pas conquis? C'est ça, hein. On a droit à quoi? Je l'ai noté quelque part, hein, au sujet, mais c'est moi. Euh, On a droit au globish, c'est ça, hein. Donc, on parle de plus en plus en anglais. Dans les locaux de l'Europe, c'est de l'anglais. Euh, on n'est plus la langue d'origine de notre pays disparaît, quoi. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup qui parlent, et ça, ce sera après les élections, d'un saut fédéral européen. Je résume, c'est la liquidation des États-nations. Ils veulent faire, comme aux USA, faire des États avec un État central. Et à l'euro, enfin à Bruxelles, ce serait le vrai pouvoir, un vrai gouvernement élu par personne, parce que hein, voilà. C'est ça qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire une armée européenne, c'est pour ça qu'ils veulent faire des dettes européennes et tout ça. Ben, ils décideront tous en nous, quoi. Ils vont tout sera décidé par des technocrates, là. On va pas rire, hein. Alors, oui. Monsieur Macron, le président de la République française, quel est son rôle là-dedans? Moi, j'appelle ça un proxy. Il travaille pour le compte de Biden avec ça, maintenant. C'est pas compliqué. Et alors, il fait des déclarations matamboresques hein, sur l'usage de ses armées, de l'armée française sur le front ukrainien, sans avoir les moyens, parce qu'on est loin du compte, hein. On va envoyer 2000 hommes, mais les Russes, ils vont les liquider en 3 jours. Alors, sans avoir demandé l'autorisation au Parlement. Vous êtes sûr? Il y a beaucoup de choses qui se passent sans Parlement hein, dans notre monde. Hein. Ouais. Ici, on est en train d'envoyer des milliards d'armements, on est en train de vider nos caisses pour subsidier le pays le plus corrompu du monde, sans Parlement. Hein. Ils font beaucoup de choses sans Parlement. Et chez nous, en Belgique, nous avons maintenant une période d'affaires courantes parce que c'est entre la fin du gouvernement et les élections. C'est censé avoir des décisions limitées. Et c'est à ce moment-là qu'on continue à faire la guerre, on continue et on a sauvé les banques à une période pareille. Ils ont claqué des milliards en plein affaires courantes. Ils ont sauvé les banques. Hein. Donc on va voter pour l'Europe. Et voter pour quoi? Voilà. Il y a 750 députés qui, à part à la limite la couleur du papier chiotte, n'ont rien à dire. Toutes les grandes décisions, elles sont prises par la Commission européenne, le Conseil européen et le troisième, je ne sais plus. Il y a 3 institutions qui décident de tout. Et puis, juste à côté, il y a le Parlement européen, mais qui n'a rien à dire en fait. Tout est décidé par les autres. Donc, le Parlement européen, c'est censé être le représentant des élus du peuple. Et ce sont les 3 autres organes que personne ne vote pour eux qui décident de tout. Ça, c'est l'Europe. Qu'est-ce que vous avez en Belgique comme parti qui refuse la dictature de l'Europe? Il n'y a aucun parti qui évoque la dictature de l'Europe, hein, à ce que je sache. Je parle des partis de pouvoir, hein, ceux qui concourent pour le pouvoir. Les autres, bon, voilà. Je parle de ceux-là. Il n'y en a aucun. Ils veulent tous participer aux élections, ils veulent tous, en nous faisant croire qu'il est possible d'améliorer l'Europe, l'Union européenne, excusez-moi, l'Union européenne. Il faut croire qu'on peut changer quelque chose. Et ils vont peut-être envoyer 1 député, 3 députés, 5 députés maximum. Et il y en a 550 quand même. Hein. Donc, je ne vois pas ce qu'ils vont faire. Hein. Alors, peut-être qu'en s'alliant, avec le parti européen, on peut arriver à quelque chose quand même, non? Je suis délégué à GTB, je suis de gauche. Hein, je suis un socialiste. Pas le parti, hein, lui dit. Et alors, il y a, au niveau européen, il y a des partis européens où ils concentrent les partis de gauche. Ça s'appelle le GUE. La gauche européenne. Le problème, c'est qu'eux, ils marchent dans les pas de l'Europe. Ils ne sont pas contre l'Europe. Ils rêvent qu'ils vont améliorer les choses. Ce qui est parfaitement impossible, puisque tout est verrouillé. Ça a été construit comme ça. Quand ils ont créé l'Europe, ils ont construit un bunker. On ne sait pas aller changer les choses. Il faut l'unanimité de tous les pays. 27 pays européens, dont les 3 quarts sont de droite, allez-y, hein, pour améliorer le monde. Et alors, il y a aussi ce lien ombilical avec l'OTAN. Oui. Il faut savoir que maintenant, quand on veut entrer à l'Europe, avant, il faut être à l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est les USA, ce n'est compliqué. Voilà. Donc, il faut être soumis à l'Empire, hein, sinon tu ne rentres pas. Oui, oui. Et alors, l'OTAN dit, ah, il faut faire des efforts de 2% pour l'effort de guerre. Hein, et alors, la Belgique est en retard, gratte pour y arriver, donc prend des mesures d'économie. Ça veut dire que c'est à côté... pour les soins de santé, l'emploi, c'est là qui tire, quoi, pour arriver à tel objectif. Et notre futur maître, presque en prison aux USA, s'il devrait être en prison, hein, le gars là-bas, trompette, il devrait être en prison. Et ben, lui, il dit, moi je veux être président, et il faut monter la somme à 3%. On a déjà dû arriver à 2, lui il va arriver à 3. Et certains, comme dans certains pays de l'Est de l'Europe, qui sont à 4-5 déjà, hein, des pays qui sont pauvres. Ça veut dire que les sociales est ravagé, pour faire la guerre à qui, à quoi? Parce qu'il se passe... Et en plus, c'est un massacre, c'est pas une guerre. Hein. Un massacre pour qui? Quand l'Ukraine n'a pas d'argent, elle fait des prêts et elle vend ses terres à qui? À qui? Je pose la question. Allez, répondez. À qui est-ce qu'on vend les belles terres ukrainiennes? Allez, hein? Ah, surtout aux multinationales, hein, américaines, hein, surtout eux. Hein. C'est eux qui achètent les belles terres. Et après... C'est toute la stratégie, c'est ça. Après, il faut faire entrer l'Ukraine dans l'Europe, dans un marché libre, une Ukraine qui a des énormes capacités de culture, les blés, tout ça, et qui va envahir nos terres avec des droits minimum ou quasiment zéro. Hein. Ils vont ravager l'agriculture, ravager. Hein. C'est ce qu'ils vont faire. Parce que ça intéresse qui? De l'autre côté de l'Atlantique, les maîtres veulent gagner beaucoup d'argent. Donc, il faut que l'Europe se sacrifie. Comme des gens qui ont acheté des terres en Ukraine, en fait, c'était les Américains. Oui, c'est eux. En fait, la stratégie depuis le début, ils pillent l'Ukraine, comme ils voulaient piller la Russie, mais ils n'ont pas réussi à la battre au niveau économique. Mais le plan, on le connaît, j'ai même la carte. On voit la carte, les régions sont démantelées, et ainsi on en fait des petits pays, et à partir de là, on peut les piller les ressources et mettre sa loi sur ces pays, quoi. Bon, maintenant, avec un pays comme la Russie, c'est pas possible. Mais si on démantèle les pays, ça oui. Ils ont même plan, la même carte. Pour la Chine, donc... oui. Ça, c'est... Alors l'Allemagne commence à envoyer ses industries aux États-Unis. En fait, tous les mots viennent de là. Hein. En fait, je résume. Bien sûr, chez nous, c'est aussi des petits capitalistes, ils ont aussi leurs petits intérêts. Hein. C'est leur intérêt parce que l'énergie est moins chère aux États-Unis. Parce que les Américains nous vendent l'énergie beaucoup plus chère que ce qu'ils ont aux États-Unis, ce qu'ils payent aux États-Unis. Donc, nous avons intérêt maintenant, puisque nous sommes avec les Américains, d'investir aux États-Unis. Et puis, hop. Oui, mais c'est ça que c'est effrayant. À quel point on se les a entumés. C'est dingue, je ne comprends pas. Depuis l'affaire Nord Stream, l'Allemagne est en chute. Hein. Ouais. Ben, nous, en Belgique, on dépend de l'Allemagne, hein, au niveau économique. Attention, hein. Bon, alors l'Allemagne est en récession. Comme tu dis, les Américains font les yeux doux, venez chez nous, on fera des restaurants, tout ça. Et les usines commencent à partir. Hein. Mais sans entreprise, sans création de valeur, il n'y a pas de création de richesse. On va faire quoi, nous? On va faire quoi? Ouais. Les USA qui vont tout contrôler. Et alors, Freddy, le prix de l'énergie en Belgique est élevé ou pas? Bah oui, c'est comme en France, à part que vous avez encore vos centrales Oui. Donc, ici, en Belgique, on a un petit, je dis, avantage, c'est que comme ils ont fait durer plus longtemps les centrales, il y a un accord avec Engie, hein, comme quoi que la Belgique dirigerait la moitié du parc des centrales prolongées. Ah, d'accord. Bon, jusqu'au moment, c'est ce qu'on appelle dans une entreprise la prise de risque, jusqu'au moment où tu finis le calcul et tout te pète à la gueule. Hein. À ce moment-là, ce sera une autre chanson, hein, parce que la Belgique, c'est un pays comme ça. On a tout un tas de centrales. S'il y en a une qui pète, on fait quoi? Hein? C'est un genre de Tchernobyl. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on fait? On dégage la moitié de la Belgique. Et qui va nous accueillir? La France? Je sais qu'un cru voir si la France a oublié ouvrir ses bras. Hein? Avec un Bardella au pouvoir. Par exemple. Par exemple. Alors, non, c'est très dangereux. Alors, voilà. Alors, j'ai dit, moi, parce que bon, l'Europe a quand même une stratégie ultralibérale, n'oublions pas. Hein. Alors, ils font des accords comme le Mercosur, tout ça, avec des régions étrangères, où finalement, ça démolit toute nos protections sanitaires, ça démolit nos producteurs. C'est ça qu'ils sont en train de faire, l'Europe. Ouais. Et on va continuer comme ça? Non, hein. Il y a plusieurs solutions. En France, il y a l'un ou l'autre, comme ça, qui sont souverainistes. Je prends Asselineau, il est pour la souveraineté de la France. Comment tu vois, toi, les partis français? Est-ce que tu suis un peu les discussions que tu peux avoir en... Déjà, la mienne, la politique de mon pays. Hein? Et il y a d'autres qui parlent de faire un genre de complot à plusieurs États et de se retirer de l'Union européenne et construire juste à côté. Ça, il faudra bien faire comme ça, reconstruire, c'est-à-dire pas améliorer. On ne sait pas améliorer, c'est verrouillé. On ne saurait pas améliorer quoi que ce soit. Il faut donc sortir de ce truc. Créer à côté une nouvelle structure et faire comme ça s'existe en Belgique. Quand on vote et qu'on reste bloqué pendant 300-400 jours sans gouvernement, ça tourne quand même. Bon, c'est possible ça. Mais il faut faire ça comme ça avec l'Europe. On dit, ben, nous, on sort de l'Union européenne et on tourne avec les pays qui sont sortis. On fait, comme en Belgique ça s'est fait, les gouvernements régionaux continuer à faire tourner la boutique. Voilà. Et la société continue à fonctionner sans le pouvoir central. Mmh. Donc, il faut faire ça avec l'Union européenne. Pour nous emmerder, allez, tu dégages, et on s'occupe de nos affaires. Il faut un peu le courage politique. Tu prends Bardella qui fait son cinéma, là. Ben, c'est comme tous les fachants. Une fois qu'il sera au pouvoir, il va retourner comme Meloni, quoi. Meloni, quoi. Voilà. C'est tout. Ils feront même. Hein, ils nous mentent. Parce que si au début, ils font une campagne, il y a quelques années, contre l'Europe, maintenant, elle est intégrée, l'Europe. Hein, ils l'ont envolée. Hein, hop là. Ils l'ont envolée. Donc, c'est une illusion pour les gens de voter pour ça, quoi. Voilà. Ah, il faut essayer de voter, quand même. Il faut essayer de voter, quel que soit le vote. Oui, c'est ça. Alors, il faut choisir le moindre mal. Qui? Alors, il faut essayer de voter de toute façon, à mon avis, hein, ça c'est mon avis à moi, il faut essayer de toute façon de voter contre Macron et puis contre l'Europe. Enfin bon, à part ça. À ce sujet-là, c'est l'occasion de voter pour ceux qui sont pour la 6e République, c'est-à-dire casser ce pouvoir royal que le président français a. Oui, mais le problème des gens qui ont qui veulent la 6e République, je pense que tu penches à Mélenchon. Eh ben, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont finalement pro-guerre. Tu vois? Ouais. C'est un vrai problème, ça. Ça, c'est un vrai problème. Moi, la guerre en Ukraine m'insupporte. Et vraiment. Ils sont... Bon, alors, pour Gaza, c'est différent pour eux, mais Mais pour l'Ukraine, ils sont d'accord dans le... Tu vois? Ben, C'est fou. Cette soumission européenne, hein, des pays européens, hein, à l'Empire, hein, c'est toujours ça. Parce qu'on sait depuis le début, c'est quoi l'Ukraine. Hein. Maintenant, on n'en parle plus. Moi, je me souviens bien quand même que dans les médias français, on filmait tous les jours les hordes fascistes nazis qui circulaient partout là, en Ukraine, qui bombardaient le Donbass, qui tuaient les civils. Hein. Non, on a oublié tout ça. Hein. Ben, c'est la même, hein, ils n'ont pas changé. Hein. C'est la même. Voilà. Ben, Moi, je suis étonné. Parce que, tu vois, Mélenchon, il avait une certaine parole. Il était modérément... Moi, je me rappelle de ses prises de parole sur la Bosnie-Herzégovine. Il avait une certaine, un certain anti-américanisme qui était pas mal. Et bien là, non, pas du tout. Pas du tout. Au 6 juin, débarquement soi-disant contre l'Allemagne nazie, et on fait venir un mec qui est adorateur de nazis. Hein. Excuse-moi, on a un petit souci là. Ouais. Hein? Bon. Ouais. Parce qu'il est adorateur de nazis. Hein. Ouais. Pays, il y a toutes des statues à la gloire de Stepan Bandera, hein, celui qui a massacré des dizaines de milliers de civils, hein, des Juifs et des Polonais. Hein. Au cas, l'histoire elle existe. Hein. Aussi. Des Tziganes, des Juifs, des Polonais, etc. etc. Ils ont massacré plein de gens. Donc, il a ramassé du fric dans cette affaire-là. Au passage, il s'est servi, quoi. Lui et ses copains. Ils ont raclé les fonds de tiroir là-bas. À tel point que ils viennent de découvrir maintenant qu'ils sont mal, je crois que c'est Kharkiv, ils sont mal parce que les défenses ne sont pas construites parce qu'il y a mais l'argent. Où est l'argent? Les défenses ukrainiennes n'étaient pas construites. Il y avait un mec qui avait mis dans sa poche le fric. C'est incroyable. Un monde de corruption épouvantable. Je reviens de nouveau à notre... on sait déjà qu'après les élections, ils vont revenir avec l'austérité. Hein, le TSCG, les règles à 3% de déficit et 60% de la dette, nous mettons à 110. Voilà. Et il y a quelques années, on avait fait des calculs. 110%, c'était pendu à 60 en 10 ans, 20 ans, je ne sais plus. C'était impayable. La somme est telle que c'était impayable. Voilà. Mais ils reviennent avec ça. Mais maintenant, en plus, ça ajoute ce qu'il n'y avait pas avant, c'est le fameux effort de guerre. Ça s'ajoute. Et donc, sacrifier encore plus le social, les soins de santé, les pensions, parce que moi, je suis pensionné. Je vois que certaines déclarations commencent à circuler. C'est inquiétant. Parce que, alors, nous sommes dans le syndrome grec qui est en train d'arriver. En Grèce, ils ont baissé 10 fois les pensions. Hein. Il vaut mieux voter pour ces gens-là que voter pour Macron. Mais c'est ça le problème. C'est le choix du pire. Ouais. Ouais. Il faudra attendre, malheureusement, c'est comme ça. Il faudra attendre que la misère s'étende, la pauvreté, peut-être même la guerre, parce que ça pourrait bien arriver. Alors, surgira, ça c'est comme l'historique, quoi, des forces dites de gauche, des communistes, des vrais. Ils vont arriver. Pour l'instant, ils sont tous endormis. Je pense qu'ils sont. Tu vois où ils sont. Tu sais, Freddy, le problème, c'est que la dette française est rachetée par des sociétés américaines. Et ces sociétés américaines, ils disent, attention, si vous ne filez pas de droit, aussi, il y a ça, hein. C'est l'accomplissement du plan américain. Ils mettent la main, ils pressurent. Et ils te pillent. Parce que leur but, c'est quoi? C'est prendre tes marchés, te piller et te transformer en esclave. Hein. C'est ça les USA. C'est pas autre chose. Hein. Là, en fait, oui, la dette, c'est quoi? C'est un jeu d'écriture comptable. Hein. Ben voilà. Merde, je te paye pas. Je déchire le truc, c'est fini pour toi. Ben voilà. Ah ben l'autre, En fait, il n'est pas vraiment ruiné. Hein. Il doit, dans ses comptes, il doit barrer 100 milliards. On dit au capitaliste, c'est terminé pour toi, tu dégages, maintenant, et ciao. Hein. Mais bon, c'est pas aussi facile. Hein. Pourtant, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Hein. L'évolution du monde, lorsque là, si on sera encore là, parce que à ce qu'ils sont en train de jouer avec la Russie, si ça dérape, c'est la fin de l'humanité. Hein. Ouais. Il faut bien quand même jouer. Il faut quand même un petit peu réfléchir. Hein. Il y a un Macron, c'est un fou ce mec-là. Il est dangereux. Hein. Il est dangereux. Il est dangereux. Et je ne comprends pas comment les Français ne se révoltent pas. Révoltés contre ça. Et oui, c'est... On envoie les enfants dans les tranchées ukrainiennes. Et tu essayer de nous faire putrifier. Oui. Ouais. Tout ça parce que les Américains poussent derrière, parce qu'eux, ils sont loin. Hein. Donc, s'il y a une guerre en Europe, bouf, ils filmeront, pouf, 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 et voilà, quoi. En espérant échapper aux nuages radioactifs, parce qu'il va quand même y avoir ça. Hein. Il y a quand même... Je crois que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Ouais. Oui, parce qu'en France, vous ne risquez rien. Hein. Et Tchernobyl, il a craché ses misères partout. Et même le nuage radioactif, hop, à la frontière française, il a fait... On arrête. Les Américains. Ils auront le coup. La douane. Déclarer ce genre de raisonnement. Hein. Ils ont ce genre de raisonnement. Oh, nous, on est loin, qui se tapent sur la gueule, nous, complètement. Et on va reconstruire. Hein. Voilà, et on vient tout reconstruire avec nos dollars et on maîtrise tout. C'est ça leur idée. Voilà. Mais ça ne marche pas bien. En plus, au départ, comme dans leur calcul, ils pensaient mettre à genoux la Russie. Merde, c'est raté. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, ils se rabattent sur l'Ukraine, la malheureuse, ils sont en train de la dévorer toute crue. Parce que maintenant, il y a l'arrivée des BRICS. Il y a un changement majeur, hein, majeur. Je ne sais pas que c'est la panacée, mais c'est quand même par rapport aux USA, c'est mieux. Parce que dans la vie, il y a de l'espoir. Alors, j'ai dit, pour conclure, je vais approcher du jardin, hein, la politique a le temps long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas voir la société, la politique par rapport à soi, parce que le changement, il va se faire qu'on sera plus lent. C'est les jeunes qui vont, tous les vieux schnock qui vont disparaître, et c'est les jeunes qui vont être nouveaux esprits. Et avec cet engin-là, ça, c'est la communication. Et ça, le pouvoir a difficile avec ça. Et les jeunes, ils utilisent énormément ça. Donc, l'avenir, il est chez les jeunes. Et moi, je ne verrai pas le changement. Hein. J'ai trop eu. Voilà. Ou alors, il faudrait un changement radical, mais moi, pas ça. Mais sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, oui. Oui. Les gens vont vraiment avoir le bol, quoi. Il faut changer. Je crois qu'il faut prendre des armes, mais il faut au moins réagir collectivement, tous ensemble, pour nettoyer les écuries de violence. Hein. Il y a une possibilité, c'est que Macron remplace après la von der Leyen ou quelque chose comme ça. Oh, son mandat. Pas croyant, je dirais, tu m'en préserves. On est dans la merde. Hein. Non, regarde ça. Et hop, poubelle de l'histoire. Poubelle de l'histoire, hop, dégage. Bon, ben écoute, Freddy, je te remercie beaucoup. Je t'adresse le montage. Oui, bon courage, c'est ce que j'ai raconté. Tu me dis si c'est bon ou pas. Mais dans le montage, même mon petit copain. Hein. Alors, c'est Lénine. Puis, relisez les anciens textes, les amis. Relisez la base. Parce que c'est ça qu'il faut, réapprendre l'histoire. La réapprendre. Et puis, le drapeau des métallos. Métallos, parce que les métallos, c'est des costauds. Enfin, c'est les plus... Enfin, parmi les plus ardents combattants. Voilà. Mais Lénine, c'est lui qu'il faut lire. D'accord. Ouais. Ça va? Pas trop d'accord avec toi, mais OK. Allez. À très bientôt, Freddy. Ça va bien, merci. À C4.